Marseille. On le plus fort, s'il vous plaît, monsieur dames. On l'a plongé. Allez, deux tentatives. Un petit délire. C'est pas mal. Pas très beau, mais c'est classe. Moi, on est à Marseille. Voilà, on gigote, on se promène. Par deux, quoi. Vite fait. Camouflage Marseille, 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 Mar
plus possible. Ça y est, c'est un petit peu moins mouvementé là. Voilà. Voilà,
Puis bon, on va en profiter. On va en profiter. Centre, Bourse, Marseille. Voilà. L'ambiance marseillaise, il caille un petit peu, mais c'est pas grave. On va faire une petite vidéo rapidement. C'est très très rare, c'est extrêmement rare que je m'arrête pour ce genre d'événement en fait. Voilà. Surtout avec les jeunes rappeurs. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ISK, voilà, que je voulais interviewer, mais que je ne pouvais pas. Il m'expliquait en fait que c'était un peu compliqué parce qu'il fallait vraiment qu'il en parle à ses managers, qu'il est sous contrat, etc., etc. Bon, bah, à la limite, on va dire j'ai laissé tomber. C'est vrai que les derniers rappeurs, jeunes rappeurs que j'ai pu écouter, je me suis un peu branché pour savoir exactement ce qu'ils pouvaient faire, c'est Jadal Dinaz, surtout Jadal Dinaz de la ville de Meaux. Il y a RK aussi, mais RK je ne l'ai pas forcément écouté, très sincèrement. Mais par contre, Jadal Dinaz, leur premier clip, leur premier son, etc., etc. Forcément, moi qui viens de la ville de Meaux, j'ai voulu savoir un petit peu ce qui s'y passait, puisque j'ai fait beaucoup de choses à Meaux et que j'ai filmé beaucoup de rappeurs à Meaux, d'artistes liés au mouvement hip-hop, que ce soit des graffeurs, des danseurs, beatboxers, etc., etc., à tous les niveaux, quoi. Donc, oui, je voulais profiter un petit peu de cette séance-là, cette séquence-là. Ouais, il y avait du monde, il y a beaucoup d'enfants, en fait. Il y a beaucoup d'enfants, des familles, des parents qui sont là et qui accompagnent leurs enfants et qui sont venus là voir Gazo. Donc moi je le connais pas du tout. Bien sûr que j'ai déjà écouté ses sons, bien sûr que je mets la radio et que j'entends ses sons. Moi-même autour de moi j'entends ces musiques là, voilà, tout simplement parce que de toute façon quand on a des adolescents autour de soi, etc., etc., bah, c'est ce qu'ils écoutent, quoi. Voilà. Bah, après, moi, je sais pas. Moi, je trouve que vraiment, il y a une espèce d'intervalle, une espèce de parenthèse incroyable, une espèce de décalage incroyable par rapport à ce que nous, on a pu vivre au niveau du rap, au niveau du hip-hop. Et là, on sent plus le hip-hop du tout. C'est vraiment du rap. Au niveau du contenu, c'est la même chose. Mais bon, on n'arrête pas le progrès. C'est ça le sujet d'un peu de cette vidéo-là que j'avais envie de faire rapidement. On n'arrête pas le progrès et ces jeunes-là, comme Gazo, comme Kobalade, comme plein d'autres que dont j'entends parler, etc., etc. C'est vraiment une autre mentalité, en fait. C'est une logique complètement différente de d'aborder les thèmes de la société, du quotidien, des relations entre les filles et les garçons, de la relation avec la politique, avec la police, avec les quartiers sensibles, avec les quartiers populaires, avec l'argent. Et est-ce que c'est critiquable? Oui. Moi, j'ai très sincèrement, ouais, j'ai envie de critiquer. J'ai pas envie de jouer le gars qui soi-disant, je sais pas. Ouais, c'est critiquable. Ce que vous faites, la jeunesse là, pas tous, hein. Parce que effectivement, je parlais de Jadja et Dinaz tout à l'heure. Moi, pour moi, eux, ils sont vraiment dans une logique de quartier, de thèse, et on voit bien que ils sont quand même bien. Je trouve qu'ils se calent bien finalement par rapport à la continuité du rap qu'il y a eu à Meaux. Ils ont bien réussi à se placer de telle sorte à produire une continuité en fait vis-à-vis de ce qui s'est fait dans la ville de Meaux au niveau artistique. Donc ça, moi, pour moi, je peux que leur tirer un chapeau. J'ai pas spécialement cherché à faire une interview de Jadal Dinaz. J'aimerais bien, pourquoi pas. Ça reste dans ma tête, mais j'ai envie de le faire peut-être éventuellement à la fin. On verra s'ils acceptent ou pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué par rapport à autrefois où vous pouvez faire des interviews dans la rue comme ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a les portables. C'est plus difficile de faire une interview en fait. Parce que, je sais pas, il y a des droits, parce que c'est extrêmement relayé rapidement.
ça va très très vite, ça peut faire des milliers, des millions de vues. Et ça, les rappeurs aujourd'hui, ils ont vraiment conscience de ce qu'ils peuvent produire. Donc, on va s'approcher de Noailles. Donc c'est vrai que franchement, il y a beaucoup d'artistes aussi à Marseille. Hein. Marseille, très organisé, etc., etc. Ça fait une espèce de tapage incroyable. Le classico Paris-Marseille, ça fait un tapage incroyable. C'est un mélange à la fois de l'ancienne école et de la nouvelle école. Et il y a une espèce de truc comme ça qui est vachement intéressant aussi. Hein, intellectuellement, artistiquement... c'est vraiment pas mal, hein. Et c'est pas mal de réussir à faire ce genre de projet. Je sais qu'il prépare Chronique de Mars 3 aussi, puisque là j'ai moi-même je vais vers des artistes marseillais à l'ancienne, et aussi certains qui sont aussi très actifs aujourd'hui et qui font partie de l'ancienne école, etc., etc. Mais c'est vrai que moi je suis pas forcément j'aime pas forcément ce qui se fait chez les plus jeunes. Hein. En tout cas, je trouve que c'est un peu indécent, voilà, et que il y a un côté indécent en fait. Il y a un côté indécent, je trouve, dans la manière d'écrire. Il y a plus de tabou. Il y a plus de tabou. Il y a une espèce de perversité en réalité. C'est ça, voilà. Il y a un côté un peu pervers dans la manière d'écrire, et il n'y a plus de limites en fait. Moi, ça, c'est quelque chose que, en fait, compte, je peux pas empêcher les gens autour de moi de l'écouter, parce que ça fait partie de leur vie, de leur existence. Mais dans la réalité, c'est ce que je pense. Je trouve que il y a un côté un peu vraiment dégueulasse, quoi. Voilà. Dans chez beaucoup de rappeurs, je dis pas que c'est le cas de Gazo, je suis pas en train de le critiquer. Il fait ce qu'il veut, il écrit ce qu'il veut. Mais voilà, globalement, j'ai l'impression que ils sont en train de monter d'un cran à chaque fois. C'est-à-dire que il y en a qui va écrire des trucs de guedin, et ben l'autre qui va écrire des trucs encore plus de guedin, et il va aller encore plus loin. Et notamment au niveau des relations hommes-femmes, etc., etc. C'est préhistorique là. On est tout simplement dans la préhistoire. Moi, ça me gêne beaucoup par rapport à... En même temps, ça représente la société. Ça représente ce qui se passe aujourd'hui dans la société. C'est une réalité. Et le rap, j'ai toujours vu comme ça, moi. Comme un reflet, en fait, dans le miroir de ce qui se passe dans la société. Le rap, c'est le reflet. C'est le miroir. C'est pas la société. C'est comme nous, comme moi. Je marche. Ce qui est le plus important, c'est pas l'ombre. C'est pas le miroir que je projette sur un miroir. Ce qui est le plus important, c'est moi, c'est ce que je vis moi. Et dans la société, ce qu'on vit, c'est brutal, c'est violent. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'ils réussissent à faire dans le rap, c'est qu'ils ont pris un échantillon de ce qui se passe dans la société, en France, française, européenne, occidentale et africaine. Et faire attention. Moi, je trouve que faut pas se dire qu'il faut les laisser faire tout et n'importe quoi. On a un devoir, nous, en tant qu'anciens, en tant que grands frères, en tant que parents, on a un devoir aussi de dire non, on n'est pas d'accord aussi. Faut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Je suis pas forcément d'accord, et voilà, j'en profite pour le dire. Qui je suis, moi, pour dire ça? J'ai aucune légitimité, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Je suis ce que je suis, et de toute façon, j'allais dire, celui qui est pas content, il est pas content, c'est tout. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, essayez d'écrire quand même des trucs plus grands, plus moins business plans, des trucs qui vont rester dans l'histoire et qui permettront à des gens à un moment donné de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé dans la société. Voilà. Et ça, on l'oublie complètement. Dédicace aux Marseillais, aux Marseillaises et à ceux qui prennent des initiatives comme ça, qui sont vraiment pas mal. Moi, j'aime bien Marseille, j'adore Marseille, et j'aime beaucoup ce projet-là, très organisé, etc. J'ai beaucoup à apprécier, j'ai été même surpris par les morceaux, par les sons, par ce qui pouvait être dit, etc. Même si j'apprécie pas forcément tous les rappeurs qui sont à l'intérieur, mais... En tout cas, cette prise d'initiative, moi, elle me plaît beaucoup. C'est un sacré défi qu'ils ont lancé aux Parisiens. Et ouais, les Parisiens des quartiers populaires, franchement, vous avez un haricot dans la tronche.
et faites l'effort. Moi, c'est, mais je suis pas le seul à le penser. Je discute énormément avec plein de gens de ma génération. Vous faites quand même quelque part un petit peu de la merde, voilà. Et vous faites bouffer de la merde à nos gamins et c'est vraiment dommage. Et je sais pas si vous êtes capable de faire autre chose. Donc, essayez de nous surprendre, voilà. C'est ça mon message. Mais c'est pas de la critique, c'est pas, y a rien de méchant. C'est juste mes pensées de Hakimo. Voilà, dédicace à Noaï. Toutes les communautés, toutes les couleurs, tous les styles de musique aussi. Et vive le rap, parce qu'on aime le rap et on aimerait le rap toujours, tout le temps. Et moi-même, j'y étais, j'ai aussi passé un moment agréable aussi. Dédicace à Gazo, voilà. Et à tous ceux qui font de la musique dans le but de faire changer les mentalités. Hakimo. Faites attention, s'il vous plaît, la famille. Vous allez vous faire avoir par la politique, par les politiciens. Ils vont vous la mettre bien, bien profond, sans vous en rendre compte. Vous allez vous retrouver avec de l'argent, mais vous aurez que ça. Plus rien d'autre, plus de dignité, plus rien. Voilà. Hakimo.